Sorti de l'anonymat grâce à Popstar, Chimène a sorti le single Entre nous qui a été un succès immédiat. Au contraire de Leslie, tout s'est passé très vite. Elle s'est retrouvée en studio au bout de quelques semaines seulement. Je m'appelle Chimène Badi, j'ai 20 ans. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on tourne mon clip pour mon premier single, Entre nous. Lou Bianca travaille depuis 3 ans pour trouver le succès. Elle fait partie de cette multitude de projets traînant en longueur dans les tiroirs des maisons de disques. Son dernier projet, Tout Rien Du Tout, vient juste d'être reporté à une date encore indéterminée. Il m'a demandé si je voulais pas monter sur Paris pour une journée auditionner. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, le coup de foudre. Je voulais pas aller à l'école. C'est simple, je voulais pas à l'école. Je regrette un peu parce que c'est très important d'aller à l'école. C'est un truc, c'est très important. Il faut aller à l'école. J'aurais dû continuer à l'école et faire mon truc à côté. Mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais travailler, faire mon truc. Et étant donné que c'est marketé comme un pur produit, la fille a pas besoin d'avoir énormément de qualité. Il faut qu'elle réponde à l'attente du plus grand nombre. Les vraies qualités, ce seront celles de la maison de disques qui mettra le plus d'argent derrière. J'avais l'impression, tu vois, j'allais arriver là-dedans et qu'on allait bosser. Et en fait, tu vois, la chanson, on l'a enregistrée, enfin la voix en tout cas, on l'a enregistrée, je sais pas, en une heure. Tu vois, je l'ai chantée deux fois et ils ont dit bon, très bien. J'ai dit ah bon, on fait que ça. Tu vois, je pensais qu'on allait travailler le moindre détail, la moindre syllabe, tu vois, pour que ça soit joli. Non, enfin, tu vois, bon. L'image. Elles savent toutes quelle est la clé pour pouvoir s'imprimer dans la mémoire collective. Elles sont pourtant loin d'être toutes prêtes à la maîtriser. Tu vois, parce que je me dis que... Bah, je sais pas. Je me dis que... Tu sais, tu me poses des questions, donc je te réponds comme ça, ça va. Mais je me dis, ouais, mais je suis filmée, tu vois, il y a des gens qui me regardent, j'ai l'impression qu'on me regarde, tu vois. C'est... Pourquoi j'ai peur de dire des conneries ? Parce que j'ai peur de dire des conneries, parce que tout ça, ça reste. Et on pourra me le ressortir. Puis je connais pas l'expérience, c'est ma première fois, donc ça, voilà. J'espère que je m'y ferai. La valse des interviews pour la presse est inévitable. Cette succession de questions sans fin sera en général le premier contact des artistes avec les médias. C'est ma première interview. Je m'appelle Johnny, je suis chanteuse. J'ai 21 ans et j'ai 4 sœurs. Voilà. Non, parce que chanteuse. C'est parce que c'est le premier. Bah là, le premier single en fait, qui m'a vraiment touchée d'avoir besoin d'écrire une chanson là-dessus. Mon péché mignon. Ouais. Quand on s'inscrit dans un phénomène tel que celui des Lolita, c'est difficile après de devenir adulte. Dans la mesure où ça a été la marque de fabrique, où ça a été le nerf de la guerre, l'image. Donc comment on sait dans le domaine du spectacle que c'est très très dur pour les enfants stars par exemple de continuer. Ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, l'artiste elle-même est une petite fille qui prend des postures de femme. C'est-à-dire qu'on va vraiment jusqu'au bout là, de l'identification possible à ce que toute petite fille a envie de faire. Elle a envie de ressembler à sa mère, elle a envie de ressembler à l'image qu'elle voit à la télévision, et donc ce mélange enfance, adulte, féminité un peu outrageuse, vamp et fillette, ce mélange-là, il existe chez beaucoup d'enfants. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le porte cette fois-ci en spectacle même. Puis il y a un véritable phénomène aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plein de gamines, c'est vrai, qui veulent devenir chanteuses. Et c'est un peu dommage. Priscilla, celle qui vient de faire sa carrière de chanteuse, elle a 12 ans, elle a presque mon âge, et j'aurais bien aimé être à sa place quand même, parce qu'elle a déjà fait beaucoup de chansons, elle est déjà connue, voilà, en fait, et elle va faire son premier concert. Voilà. Et donc, pour ça, quand même, à mon âge, je pourrais me dire « Mais c'est possible, à ton âge, Guénaëlle, c'est possible !»